Moi, je l'ai appris à l'occasion de ce colloque. Il y a à peine plus d'un an, le Parlement espagnol a adopté une loi décrite comme pionnière qui résulte d'un travail donc, entre experts, entre pros, et qui promeut une prise en compte globale de l'enfant au travers d'un travail transversal interministériel. Donc on va vous demander, si vous voulez bien, de nous présenter le contenu de cette loi et de dire ce que c'est susceptible de changer en intervention en protection de l'enfance. Je vous remercie pour l'invitation. Je suis désolée, je ne parle pas français. Donc, je suis désolée pour ça, mais je suis très contente d'être ici avec vous. Donc, Alicia m'aidera pour les traductions. Donc, j'étais en présentation, de PowerPoint. Parfait. Vamos a hablar de la Ley Orgánica de Protección de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia. Oui, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de la loi organique de protection de l'enfance et de l'adolescence face à la violence. Es una ley pionera en nuestro entorno, es una ley integral. El 4 de junio acaba de cumplir un año. C'est une loi pionnière dans notre environnement intégral. Le 4 juin, il aura un an qu'elle a été publiée. En su preámbulo, algo importante establece la lucha contra la violencia en la infancia es un imperativo de derechos humanos. Dans son préambule, elle établit que la lutte contre la violence dans l'enfance c'est un impératif de droit humain. Pero era necesaria esta ley? Mais cette loi, elle était nécessaire. Ahora hablaremos del contexto y la motivación. On va parler de son contenu. En el año 2006, aquí, las Naciones Unidas lanzaron un informe mundial sobre la violencia contra la infancia a nivel mundial, todos los países. En el año 2006, las Naciones Unidas lanzaron el informe mundial sobre la violencia envers les garçons et les filles. Les résultats furent préoccupants. Les garçons et les filles du monde entier souffrent de violences et d'abus dans leur entourage le plus quotidien, maison, école, familier, professeur, entraîneur. Estos descubrimientos demostraron que era necesario cambiar el enfoque. Atender a las víctimas significa llegar demasiado tarde. Por eso, la estrategia de protección de la infancia de UNICEF y otras estrategias pusieron el foco en la necesidad de prevenir. La prevención es la clave a base de establecer entornos protectores para que todos los lugares donde los niños y las niñas viven sean seguros. Ces découvertes ont dénoncé qu'il fallait changer de point de vue qu'on a commencé à s'occuper des victimes, c'est qu'on est arrivé trop tard. Ainsi, la stratégie de protection de l'enfance de l'UNICEF de l'année 2008 n'a pas été centrée sur des projets d'attention aux victimes, que sur le travail pour obtenir que les espaces où vivent et se développent les vies des garçons et des filles soient des entourages sûrs et protecteurs. Otro contexto y motivación, ¿por qué esta ley en España? Tiene que ver con la Convención de los Derechos del Niño, la convención en la que todos los países que la han firmado presentan informes y el comité revisa cómo está la situación de la infancia en su país.
Bueno, también la sociedad civil puede presentar informes alternativos. Y alguna organización pidió al Comité de Derechos del Niño que recomendara que España debería tener una ley parecida a la Ley de Violencia de Género del 2004, que también había tenido, bueno, pues una labor muy pedagógica de sensibilización. En España, los trabajos han comenzado en 2014, en la Chambre des députés. À la suite de la Convention sur les droits de l'enfant de 1989, les pays signataires doivent élaborer des rapports sur la situation de l'enfance dans son pays. Les organisations de la société civile peuvent aussi envoyer des rapports alternatifs. Et une de ces organisations a demandé que l'Espagne obtienne une loi semblable à la loi de la violence de genre de 2004, qui avait modifié profondément le panorama social, pénal et judiciaire pour lutter contre cette sorte de violence. Así, en las observaciones finales a España del Comité de Derechos del Niño del año 2010, lo que pone en la imagen, el Comité recomendó a España que aprobara una ley integral sobre violencia contra la infancia, de la misma manera que allá había hecho con la violencia sexista y doméstica. Así, en la observación final en España del Comité de Derechos de la Infancia de la ONU de 2010, el Comité ha recomendado al Estado que ratifique una ley integral sobre la violencia envers les garçons semblable à celle relative à la violence sexiste et domestique. En España, los trabajos empezaron en el año 2014 en el Congreso de los Diputados y se encomendó al Gobierno que tenía que elaborar esa ley. Han pasado 8 años. Además, el Comité de Derechos del Niño volvió a pedir a España que tenía que hacer esa ley, que era necesario que España contara con esa ley de protección. Y la sociedad civil elaboró un texto que sirvió luego para elaborar la norma. En España, los trabajos han comenzado en 2014 a la Chambre des députés y on a recomendé al gobierno de elaborar esta ley. De plus, en 2018, le Comité des droits de l'enfant, à l'occasion de l'examen de la situation des droits de l'enfance en Espagne en 2018, a réitéré à notre propre pays la nécessité de l'approbation d'une loi intégrale sur la violence envers les garçons et les filles. Les organisations de la société civile ont été alors élaborés un brouillon qui a servi de base pour les textes et un processus de consultation s'est ouvert pour faciliter la participation de tous. Y siguiendo el enfoque de Naciones Unidas del informe anterior, el foco de la norma está puesto en la prevención y en construir entornos seguros, entornos que prevean la violencia antes de que ocurra. Suivant le point de vue des Nations Unies, l'action de la norme est mise sur la prévention et la construction d'entourage sûr et protecteur pour l'enfance. Desde el punto de vista político, también es una ley con un amplio consenso. 3 diferentes gobiernos de diferentes partidos políticos han trabajado en la ley durante todos estos años y ha contado con la aprobación en el Parlamento de casi todos los diputados de diferentes partidos. Du point de vue politique aussi, c'est une loi qui a obtenu un ample consensus. Au cours de ces années, 3 partis différents ont été désignés comme responsable d'un travail sur elle. Et celle-ci a reçu l'approbation de quasiment tous les députés.
Pero volvemos a preguntarnos, ¿esta ley realmente era necesaria? A ver, vamos a ver algunos datos. Alors, vraiment, cette loi était-elle nécessaire? On va voir certaines analyses de point de vue à cette loi. Vamos a ver la población en España, 8.157.000 niños. On va voir la population en Espagne. 8 millions d'enfants. De ellos, según datos oficiales, bueno, los datos alertan de una subida importante de los delitos contra los niños y las niñas, aunque es difícil conocer la magnitud real y si el aumento se debe realmente a un aumento de la violencia o a un aumento de la concienciación y del reporte y de la denuncia. Alors, selon les données officielles, en 2020, on a comptabilisé 5.846 délits de mauvais traitement dans les milieux familiaux envers les petits garçons, petites filles et adolescents. Si on voit les données d'abus sexuels sur l'année 2020, plus de la moitié de leurs victimes sont des mineurs, comme la population de moins de 18 ans en Espagne est de 17,25% du total d'habitants. Qu'il y ait 50% des victimes des délits d'abus sexuels signifie que c'est un type de délit qui les affecte plus que les adultes, lesquels représentent 82,75% de la population totale. Ce qui signifie que la violence sexuelle les affecte en plus grand nombre par rapport à la proportion au temps de population dans sa totalité. Por lo que respecta al acoso escolar y el ciberacoso, el último informe de UNICEF que hemos lanzado establece que un 33,6% de los niños y niñas de 11 a 18 años sufren algún tipo de acoso y el 22,5% algún tipo de ciberacoso. En ce qui concerne le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, le dernier rapport de l'UNICEF Espagne estime que 33,6% des élèves entre 11 et 18 ans subissent quelques types de harcèlement et les 22,5% ont fait l'expérience de cyberharcèlement. ¿No era suficiente con las leyes que ya había? ¿Les lois existantes n'étaient-elles pas suficientes? Las leyes que tratan en nuestro país situaciones de violencia están basadas en la respuesta penal, son leyes penales, cuando el daño ya se ha producido y se intenta dar respuesta para mitigar o para reparar el daño y castigar al culpable. Es decir, el foco está puesto en el agresor, en quien ha hecho daño. Y no todas las leyes constituyen delito. Hay violencias que no se denuncian, violencias que no son un delito. Alors, les lois qui traitent des situations de violence ou de abus sont basées sur la réponse pénale. Quand le tort s'est déjà produit et qu'on essaye de donner réponse pour essayer de pallier ou réparer le tort et de punir les coupables, focalisation sur l'agresseur, et ce n'est que pas toutes les violences qui constituent un délit. L'objectif de cette loi, comme cela se passe avec la loi des violences de genre, est aussi pédagogique et de sensibilisation. Nous ne pouvons pas tolérer la violence et les abus que subissent nos enfants de manière quotidienne et dans le entourage le plus commun. Bon. Estamos hablando de una ley integral que supone un cambio de paradigma. Alors, nous sommes en train de parler d'une loi intégrale, un changement de paradigme. Porque se ocupa de cualquier tipo de violencia, no solamente una, no solamente la sexual, no solamente el acoso entre pares, no solamente maltrato, se ocupa de, no importa, todos los tipos de violencia. C'est une loi étendue
ample, intégrale dans plusieurs sens, parce qu'elle s'occupe de n'importe quel type de violence, parce qu'elle implique tous les entourages où les garçons et les filles vivent et se développent, où ces entourages avec lesquels ils sont en contact quand ils subissent la violence, parce qu'elle s'occupe de tous les stades de la lutte contre la violence, depuis la sensibilisation en passant par la prévention. Y también podemos hablar de un cambio de paradigma, porque pasamos de un enfoque punitivo puesto en el agresor a un enfoque preventivo. El niño está en el centro y sus derechos en el centro de todas las actuaciones. Pasamos de protocolos y actuaciones atomizadas a un compromiso para generar entornos protectores. Y pasamos de la infancia y su protección como un ámbito doméstico, privado, en el que cada uno puede hacer con los niños lo que quiera, a un deber de prevenir, de proteger y de comunicar cualquier situación de violencia. El mensaje es, la protección de la infancia es asunto de todos y de una forma especial de ciertos profesionales que van a tener un deber de protección reforzado. Hay un deber de protección para cualquier persona que sepa que hay una situación de violencia que afecta a un niño. Y si es un profesional que trabaja en esos ámbitos, es un deber reforzado. Nous passons d'un point de vue punitif dirigé sur l'agresseur à un point de vue préventif. Les garçons et ses droits au centre des procédures, des protocoles et des procédures atomisées à un compromis pour engendrer des entourages protecteurs de l'enfance et de sa protection comme affaire domestique privée, un devoir de prévenir, protéger et communiquer n'importe quelle situation de violence. Le message est que la protection de l'enfance est l'affaire de tous. Mais qui prendra une forme spécialisée de la part de certains professionnels, lesquels vont avoir un devoir de protection renforcé? Sus principales contenidos son un refuerzo de derechos para los niños y las niñas, derecho a estar informados, a recibir asesoramiento, derecho a ser escuchados por profesionales cualificados, derecho a ser atendidos de forma integral, asistencia jurídica gratuita, comunicar ellos mismos situaciones de violencia contra menores de edad y a ser informados de los canales de violencia con los que ellos pueden poner quejas o comunicar una situación de violencia. Le principal contenido. Principe contenu renforcement des droits pour les garçons et les filles, droit d'être informés et de recevoir assistance, droit d'être écoutés par des professionnels qualifiés, droit à l'attention intégrale, à l'assistance juridique gratuite, à communiquer des situations de violence sans limite d'âge, d'être informé des canaux de communication de violence. La seconde, entornos protectores. Comme decíamos, la prévention est la clave. La ley establece medidas, es una ley muy extensa, establece medidas para todos los entornos cotidianos de la vida de los niños y las niñas, medidas para la familia, medidas para la escuela, espacios deportivos y de ocio, sistema de salud, internet, así también como los entornos que se ponen en juego cuando el niño sufre algún tipo de violencia, como puede ser la policía y el ámbito judicial. Deuxième, entourage protecteur. La loi établit des mesures pour tous les entourages quotidiens concernant les garçons et les filles, famille, école, lieux sportifs et de loisirs,
centre de soins interné, ainsi que les entourages qui entraînent un jour devant une situation de violence, milieu policier, judiciaire, centre de protection résidentiel. ¿Y cómo? ¿Cómo conseguimos un entorno protector? A través principalmente de varios factores. Por un lado, el compromiso con la protección de la infancia de quien regula estos lugares, la escuela, el ámbito deportivo, el sanitario, un compromiso con la protección de quien es el que coordina estos lugares, transmitida a todos los que allí trabajan. Es decir, aquí hay un compromiso en este lugar por la protección de la infancia. Segundo, la necesaria especialización de los profesionales. Especialización es una palabra que se dice en la ley todo el rato. Especialización, especialización de profesionales formados para la prevención y la detección de casos de violencia. También nuevos protocolos, nuevos canales de denuncia, herramientas y algo muy nuevo en nuestro entorno, que es nuevas figuras que tienen la responsabilidad de coordinar todas las actuaciones y que existen en otros países. Por ejemplo, está el coordinador de protección y bienestar en las escuelas y el delegado de protección en el ámbito deportivo y de ocio, que serán obligatorios a partir del curso que viene. ¿Cómo? A través principalmente de factores variados. El engagement de responsables de ces lieux à l'égard de la protection de l'enfance, portée à la connaissance de tous les professionnels qui y travaillent. La nécessaire spécialisation des professionnels formés pour la prévention et détention des cas de violence. De nouveaux protocoles, canaux utiles. L'établissement de nouveaux postes qui ont la responsabilité de coordonner toutes les procédures et qui existent déjà dans des autres pays. Coordinateur de bien-être et protection dans les écoles, délégué de protection dans les milieux sportifs et de loisirs. Et pour último, la ley modifica 15 leyes importantes en España para poder proteger a la infancia. Algunas de las más importantes han sido la obligación de establecer la prueba preconstituida para menores de 14 años. Es una prueba que se hace en los juicios. Lo que ocurre ahora es que, ante un posible delito, mucha gente explora y toma declaración al niño. Médico, trabajador social, policía, abogados, jueces, y el niño tiene que contar su historia una y otra vez, con lo cual es revictimizado muchas veces. Y si el proceso se alarga y va a juicio, a lo mejor tiene que ir al juicio cuando han pasado varios años desde que sucedió el hecho. Incluso algunos nos decían, he sufrido más durante el proceso judicial que con lo que me pasó. Ahora se va a tomar declaración a la víctima una sola vez en un espacio protegido. Un profesional le va a transmitir las preguntas que en otra sala están el juez, los abogados y todas las partes del proceso. La declaración va a ser grabada y será utilizada como prueba. Y ese niño no va a tener que declarar más en el proceso. Modificación de 15 leyes. Quelques-unes des plus importantes ou débattues ont été l'obligation d'établir la preuve préconstituée pour mineurs de 14 ans, ce qui s'est passé jusqu'à présent, ce qui, en cas de possible délit, beaucoup de gens examinent et prennent la déclaration de l'enfant, médecins, travailleurs sociaux, police, avocats, juge. Et si la procédure se prolongeait, il pouvait aller faire sa déclaration quand des années s'étaient passées. Maintenant, on va prendre la déclaration de la victime en une seule fois, dans un espace protégé et un professionnel spécialisé transmettra à l'enfant les questions des avocats
du juge et des autres parties dans la procédure. Cette déclaration sera enregistrée et servira de preuve, sans qu'il y ait besoin de répéter son histoire après des années à différentes personnes. Délai de prescription. Otra importante cambio legislativo es que es la prescripción de los delitos. Antes la prescripción empezaba a contar cuando un niño sufre un delito. La prescripción del delito empieza a contar desde que el niño cumple 18 años. Pero se ha visto, se ha constatado que, sobre todo en temas de abusos sexuales, la gente necesita más tiempo para procesar lo que le ha pasado y para atreverse a denunciar. Las víctimas tardan mucho más tiempo. Por eso ahora el tiempo de prescripción para los delitos más graves, como pueden ser lesiones, intento de homicidio, abuso sexual, empieza a contar desde que la víctima cumple los 35 años. Délai de prescripción des délits les plus graves. Auparavant, la prescription commençait à courir dès que la victime avait 18 ans. Mais on a constaté que, concernant les délits sexuels, les victimes mettent beaucoup plus de temps à réaliser ce que leur est arrivé et à se décider à porter plainte. Ce que pour cela, désormais, le temps commencera à courir dès que la victime aura 35 ans. Y otro tema muy polémico de las leyes, hay un proceso penal por violencia y se limita la patria potestad y las visitas para el progenitor, el padre o la madre, que esté incurso denunciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad o la integridad moral del otro. Es decir, esa persona que está denunciada no va a poder tener visitas y no va a poder ejercer su patria potestad. Un sujet très polémique. Quand il y a une procédure pénale pour violence, on limite l'autorité paternelle et les visites pour le progéniteur qui est accusé d'atteinte à la vie, l'intégrité physique, la liberté, l'intégrité morale ou la liberté et l'intégrité sexuelle de l'autre conjoint ou de ses enfants. Beaucoup de juristes considèrent que cela peut porter préjudice à l'intérêt supérieur de l'enfant. Y ahora que un año después es necesaria una hoja de ruta por la aplicación de la ley, porque estamos contando con tantas medidas nuevas que afectan a tantos sectores, administraciones públicas de diferentes niveles, local, nacional, regional, que es necesario construir una hoja de ruta. El desafío mayor es hacer entender a los sectores que no trabajan tradicionalmente en infancia, educativo, salud, judicial, que también tienen que cumplir esta ley. Il y a tant de mesures nouvelles que la loi établit et elle affecte tant de secteurs, administrations publiques et entités qu'il est nécessaire de construire une feuille de route pour éclairer les différentes responsabilités et les délais nécessaires pour mettre en œuvre les changements. Le défi est de faire comprendre aux secteurs qui ne travaillent pas traditionnellement sur la protection de l'enfance, éducation, santé, justice, qu'ils doivent aussi favoriser cette loi. Quelle est aussi de leurs compétences. Traditionnellement, les affaires de l'enfance sont de la compétence des services qui s'occupent du risque et de la suppression de tutelle. La pregunta que podríamos hacernos es, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer un profesional del ayuntamiento para prevenir la violencia en el deporte en el corto plazo? Es un ejemplo de lo que la hoja de ruta quiere dar respuesta. C'est-à-dire qu'il y a un exemple, par exemple, quand il y a un problème, quand il y a un responsable dans un centre sportif,
C'est lui qui doit voir en amont pour prévoir, pour prévenir quand il y a ou il y aurait une agression, soit sexuelle ou une cyberattaque, c'est-à-dire de pouvoir aller plus loin pour pouvoir prévenir. Y por último, os hablo de un proceso que hemos llevado a cabo en UNICEF. Hemos estado preguntando a profesionales que trabajan en la protección de la infancia, cómo se coordinan, qué recursos están puestos, cómo se tratan situaciones de violencia. Hablamos con más de 500 profesionales y con 2.700 niños y niñas. Y sí que tenemos, os quería contar brevemente, un minuto, la preocupación por las nuevas modalidades de violencia. Están muy preocupados por las tecnologías de la información, el exceso de pantallas reduce la actividad física de los niños, la infancia dura menos tiempo y se someten a riesgos que hubiesen sido fácilmente evitables. Son niños que han visto mucho, pero que no lo han elaborado ni asimilado. L'UNICEF, au cours des deux dernières années, a travaillé sur le projet Entourage Protecteur. La première chose, c'est d'avoir fait un diagnostic sur les recours disponibles et mis en marche pour prévenir et traiter les situations de violence et de voir comment se coordonner ces professionnels. Nous sommes partis de l'hypothèse que l'on perd plus de temps en situation de manque de protection sévère centre de protection que dans la prévention, promotion de bons traitements, initiative de soutien à l'éducation. Nous avons parlé avec plus de 500 personnes des différents secteurs, secteur éducatif, policier, judiciaire, sanitaire, et avec 2700 garçons et filles. Les professionnels se sont montrés préoccupés par de nouvelles formes de violence, comme dans les technologies de l'information et de la communication, l'excès de fréquentation des écrans réduit l'activité physique des garçons et des filles, en renforce l'isolement des adolescents. L'enfance dure moins longtemps et est aussi soumise à des risques qu'on aurait pu facilement éviter. Ce sont des processus de maturation ambiguë. Les garçons et les filles, ayant beaucoup lu, n'ayant rien élaboré ni assimilé. Otro es la negligencia emocional. Comportamientos de abandono, falta de cuidados o cuidados negligentes, aislamiento, no hacerse cargo del acompañamiento de los hijos e hijas, no estar presentes. Son presencias parentales difusas, de baja intensidad, con acompañamiento adulto por turnos, pero que hace difícil establecer vínculos. La negligencia emocional, comportement d'abandon, manque de soins, ou négligence de soins, isolement, manque de limites et d'accompagnement, ne pas prendre en charge l'accompagnement des garçons et des filles, ne pas être présent, ne pas fixer de limites éducatives ou ignorer leur émotion. Ce sont des présences parentales diffuses, de basse intensité, avec accompagnement adulte alterné, mais qui rend difficile d'établir des liens ou des outils pour la vie. Otro problema, conflictos parentales judicializados. Jueces, abogados de familia nos alertan sobre el desafío, el daño que supone esas situaciones de conflicto en el que el niño es el campo de batalla. Conflictos parentaux judiciarisés. Les garçons et les filles qui vivent des situations de séparation conflictuelles
et judiciarisés sont chaque fois plus nombreux. Juges et avocats de famille alertent sur les dommages que ces situations de conflit ouverts dans lesquelles l'enfant et les champs de bataille provoquent. Y violencias estructurales, los síntomas de mala convivencia entre iguales, el acoso, conflictos entre grupos, comportamientos de odio en redes sociales. Violencia estructural, on voit les symptômes de la mauvaise cohabitation entre égaux. Le harcèlement, les conflits croissants entre groupes et même les comportements xénophobes, homophobes ou les phénomène des hackers, messages de haine sur les réseaux sociaux. Otro, la incoherencia entre los mensajes que reciben y los referentes culturales y de ocio. Organizamos muchas charlas en los colegios sobre violencia de género, sobre ciberbullying, sobre acoso, pero ellos reciben otros mensajes completamente diferentes de sus referentes culturales, como pueden ser youtubers, cantantes, las series, que legitiman conductas agresivas, conductas sexistas, violentas. El concepto de la intimidad como un eje de autoprotección se está viendo debilitado. La atomización social, la privatización de relación y de espacio, el individualismo de la sociedad genera insatisfacción, competitividad, manque de lien profond, sous-estime de soi ou forme de relation basée sur la domination. À cela, on peut ajouter l'incertitude, la précarité économique, l'idée d'un futur volé. Bueno, y la incoherencia. Incoherence entre les messages qu'ils reçoivent et les références culturelles et de loisirs, on organise beaucoup de conversations sur le harcèlement scolaire, sur la violence de genre, mais ils reçoivent d'autres messages et de leurs référents youtubeurs, chanteurs, programmes, séries qui légitiment des conduites agressives, violentes, discriminatoires ou machistes. Le concept d'intimité, dans le sens large du mot, comme un axe de autoprotection, se fragilise. La escuela, cuando preguntamos a los chicos y chicas, para ellos es un entorno privilegiado para crear vínculos y pedir ayuda. Pero esto contrasta con la creencia general de que los profesores no tienen competencia en proteger a sus alumnos y que el colegio no es responsable de esa parte de sus vidas. La école est perçue pour les garçons et les filles comme un entourage privilégié pour créer des liens et de demander de l'aide. Mais ceci contraste avec la croyance générale que les professeurs n'ont pas les compétences, concernant la protection de leurs élèves et les collègues et les collèges n'est pas responsable de cette partie de leur vie. Vale, y para terminar, solamente vamos a hablar de, bueno, ahí veis los desafíos, solo vamos a hablar del último desafío. El ámbito familiar. Alors, on va parler seulement de un seul prochain défi. El ámbito familiar ocupa un capítulo entero en la ley, pero todo el peso de la responsabilidad recae en los servicios sociales más cercanos, quienes tendrán que apoyar a las familias en riesgo. Los servicios sociales se ocupan generalmente de familias con problemas de pobreza y exclusión social. No están llegando, es difícil que lleguen a un entorno socioeconómico más alto. Sin embargo, ahí también ocurre la violencia. Ellos tienen que cargarse, hacer cursos sobre parentalidad positiva, reforzar las ayudas a las familias, fomentar la conciliación entre la vida familiar y laboral, pero es muy complicado porque realmente excede de sus competencias. Eso es algo que tiene que tener una discusión a un nivel político superior.
Milieu familial. Il occupe un chapitre entier de la loi, mais il met quasiment tout le poids de la responsabilité sur les services les plus proches, qui devront soutenir les familles à risque. Les services sociaux s'occupent des familles avec des problèmes de pauvreté et d'exclusion sociale. Il leur est difficile d'arriver jusqu'à des familles dans le milieu socio-économique plus élevé. Ils devront aussi établir des cours sur la parentalité positive, renforcer les aides aux familles en situation de séparation ou de divorce, travailler à la conciliation entre la famille, entre la vie familiale et la vie au travail. Difficile de réussir s'il n'y a pas de consensus à des autres niveaux. Merci. Bon, on avait une petite difficulté de micro, du coup je le reprends. Merci beaucoup à vous, l'exercice n'est pas facile quand on s'exprime dans une autre langue. On prend le temps d'une ou deux questions, s'il y en a. On peut faire les lumières sur la salle, s'il vous plaît ? Est-ce que c'est possible de mettre les lumières sur la salle ? En attendant, je crois que Pavot a quelques dessins à nous partager. Oui, merci. Un petit dessin sur la situation espagnole que vous venez de nous expliquer. Et puis, j'en profite pour d'avoir le micro une dernière fois, si vous permettez, pour remercier tout le monde, remercier le CNAEMO, son président Salvatore Stella, Corinne Lesbarbier pour le super boulot de préparation, en tout cas avec moi, elle a été adorable. Merci à tout le Goa pour les super assises qu'ils nous ont organisées, c'était un régal. Merci aux gens du Palais des Congrès qui ont été super gentils, qui m'ont permis de bosser dans de super conditions. Et puis un dernier truc, le boulot de dessinateur, c'est un boulot où on est souvent enfermé dans sa grotte face à sa table de dessin. Et passer du temps avec vous, passer du temps avec Zézéduc, ça m'a beaucoup manqué, ça m'a fait un bien fou. Donc merci beaucoup, beaucoup, et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Merci, Pavo. Y avait le dessin de au revoir, je crois, qui n'a pas été diffusé, ça voilà. Fait erreur. Voilà, ok, très bien. Merci. Apparemment, un bras s'était levé devant, mais je n'ai pas vu où. Non. Bon, bah écoutez, je crois qu'ils sont très fatigués parce qu'ils ont beaucoup fait la fiesta hier. Et les Français sont moins endurants que les Espagnols quand ils se couchent très tard. Merci beaucoup à vous. Oui, pas vous ? Est-ce que le dessin pourra être remis en main propre à madame ? Claro. Très bien. Merci beaucoup à vous.